Bonsoir. Je vais juste aller chercher mon live si je veux voir s'il y a des gens. Bon, super, j'ai ça, fait qu'au moins ça fonctionne. Ce qui est déjà une bonne nouvelle, ça fonctionne. Désolée pour le décor travaux de construction. Alors, ce soir, petit cours de danse. It's time to take. C'est vrai, je vais vérifier. Il y a quelque chose que je devais essayer. Bonjour Lucie, allô Joanne, Sylvie, France, allô. Super, il y a des gens qui sont présents. Donc, vendredi soir, je montre une danse qui est au programme de demain. Évidemment, c'est ça le principe. J'ai choisi la danse It's Time to Take. C'est pas parce que c'est une danse de mon père, parce que là, j'en entends penser qu'ils doivent se dire ça. En fait, c'est surtout que je trouvais que c'était une danse qui est sortie pas longtemps avant qu'on soit obligé de réarrêter les cours de danse cet automne. Alors, je pense que s'il y a bien une danse que peut-être pas tout le monde a eu la chance d'apprendre, c'est celle-là, dans le programme qu'il y a demain. Alors, je me suis dit, pourquoi pas? Là, évidemment, faut pas que je me trompe, là, vu que c'est une danse de mon père. Donc, je vais essayer de faire ça. Je vais attendre encore 1 ou 2 minutes. Il était 8 h, je suis un petit peu d'avance. Donc, je vais attendre encore 1 ou 2 minutes juste pour être sûre que tous ceux que ça pourrait potentiellement intéresser soient là. Bonjour Lise, Carole, Daniel, bonjour Marcel. Là, je m'excuse d'avance s'il y en a que je vois pas passer, mais théoriquement, je vais essayer de venir jeter un coup d'œil, évidemment, pendant le live de temps en temps, ne serait-ce que pour savoir si tout va bien. D'ailleurs, si j'ai pas de commentaires pendant le live, je vais prendre pour acquis que c'est parce que ça va. Alors, évidemment, si ça va pas, n'hésitez pas à me le dire et juste tenir compte, évidemment, du décalage. Donc, je ne verrai pas nécessairement les commentaires tout de suite. Donc, soyez précis si jamais il y a un bout que vous voulez que je refasse là, parce que ça ne fonctionne pas. Je vais prendre pour acquis, évidemment, aussi que tout le monde a quand même une base, là, évidemment, en danse, si vous êtes membre de danse dans mon salon. Mais s'il y a quelque chose qui ne va pas, ben évidemment, dites-le, il n'y a pas de problème. Donc, 30 personnes, super. Bonjour Francine. De l'Abitibi, oh, j'avais pas vu. Tabarnouche, Saguenay. On a du monde de partout. Alors, on va commencer tranquillement. Donc, je vais t'écrire rapidement, évidemment, c'est quoi la danse. Bonjour JP. Ouais, 8 h 02, là, c'est l'heure de commencer. Donc, la danse, It's Time to Take. Les chorégraphes, c'est François Cournoyer et Joanne Rutherford. Donc, vos hôtes de danse dans mon salon. C'est une danse qui est de 32 comptes sur 2 murs. Et il y a 2 tags, mais en fait, on fait 3 fois des tags parce que le premier tag, on le fait 2 fois. Par contre, ils sont assez faciles. En fait, ça va être les 3 premières fois que vous allez être face au mur de 6 heures que vous allez faire les tags. Fait que ça devrait bien aller, là. Puis la musique donne un bon indice aussi qu'on est rendu au thème, mais évidemment, je vais en reparler rendu là. Donc, on va commencer. Parfait. Donc, on commence évidemment. Je suis pas aussi habituée avec mon setup que mon père Joanne. Donc, si vous voyez pas mes pieds, si vous m'entendez pas, dites-le. Surtout si vous voyez pas mes pieds, là, ça va vraiment pas bien. Donc, apprendre une danse quand on voit pas les pieds, c'est pas évident. Alors, évidemment, dites-le moi si jamais il y a quelque chose qui fonctionne pas. Donc, on commence ça. Une 32 comptes. Donc, ça devrait quand même aller assez rapidement. On commence avec notre jambe droite, le poing sur la jambe gauche. Si jamais il y en a qui se posaient la question, non, je ferai pas de démo. J'ai juste peur que la musique coupe, surtout que c'est du Luke Bryan. J'aime mieux pas prendre de chance, pas faire de démo. Si au moins ça coupe à la fin, ça va être tel que tel, mais si ça coupe dès le début, là, ça va être un peu plate.
Donc, je ne ferai pas de démo, on va le faire tout simplement à la fin là, sur ma musique. Donc, on commence avec notre jambe droite, donc le poids évidemment est sur la jambe gauche. On commence avec un cha-cha avant. Là, s'il y en a qui ont vu la danse dansée par mon père et Joanne, c'est pas un cha-cha avant super serré là, comme ça. Tu sais, on peut être un peu plus lousse, un peu plus large. Tu sais, de pas le faire. Je sais pas si c'est clair ce que je dis. Mais, parce que des fois, on le voit le cha-cha avant comme ça, là, mais là, faites-le pas serré. Là, soyez quand même un peu lousse parce que vous allez voir sur la musique, ça fit comme ça. Donc, on commence avec un shuffle vers l'avant, shuffle, chassé, cha-cha, peu importe le terme. Donc, un shuffle vers l'avant, jambe droite, donc droite, gauche, droite. On va faire un step avant, jambe gauche, donc step. Et on va faire un touch du pied droit à côté de notre pied gauche. Et donc, le poids, évidemment, il reste sur la jambe gauche. Donc, si on fait les quatre premiers comptes de la danse, 7, 8, cha, 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 step, touch. Et là, je vais pas vous montrer tout de suite les quatre autres parce que c'est la même chose. Donc, 5, 6, 7, 8, c'est la même chose. Donc, cha, 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 step, touch. Donc, on a déjà le corps de la danse de fait. Donc, si on fait ça du début, 7, 8, cha, 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 step, touch, cha, 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 step, touch. Une dernière fois avec les comptes et j'enchaîne. Évidemment, s'il y a quelque chose qui ne fonctionne pas, dites-le moi. 7, 8, 1 et 2, 3, 4, 5 et 6, 7, 8. Est-ce que tout va bien? Good! Je ne vois pas de commentaires, en tout cas, de panique. Juste ici, c'est quand même des points relativement simples, donc ça devrait bien aller. On commence la section 2. On a fini en touch avec notre jambe droite. Donc, on va faire un rock step avant avec notre jambe droite. Donc, devant, dépose. Et là, on va faire un cha-cha demi-tour vers la droite. Donc, avec notre jambe droite. Donc, cha-cha-cha. Et vous devriez faire face en ce moment au mur de 6 heures. Donc, si on fait juste les quatre premiers comptes, 7, 8, rock devant, cha-cha demi-tour. Vous êtes face au mur de 6 heures, donc là, ça se peut que vous soyez dos à moi. On va faire donc un rock step encore devant, mais avec notre jambe gauche. Donc, rock devant et un cha-cha vers l'arrière avec notre jambe gauche. Donc, gauche, droite, gauche. Donc là, c'est pas un cha-cha demi-tour, c'est vraiment juste un cha-cha arrière. Vous devriez toujours être face au mur de 6 heures en ce moment. Donc, si on fait notre deuxième section de 8 comptes au complet, 7, 8, rock devant, cha-cha demi-tour, rock devant, cha-cha vers l'arrière. On fait ça avec les comptes, notre deuxième section. 7, 8, 1, 2, 3 et 4, 5, 6, 7 et 8. On essaye ça du début? Tout va bien? Super, je vois super de Joanne. J'ai été désignée porte-parole pour ce bout-là. Donc, on fait ça du début. Évidemment, s'il y a quelque chose qui ne marche pas, dites-le. Donc, 5, 6, 7, 8. Cha cha cha, step touch, cha cha cha, step touch. Rock devant, cha cha demi tour, rock devant, cha cha vers l'arrière. On fait ça avec les comptes, puis après on enchaîne. On a déjà la moitié de la danse de fait, ça va bien. Donc 5, 6, 7, 8, 1 et 2, 3, 4, 5 et 6, 7, 8, 1, 2. 3 et 4, 5, 6, 7 et 8. Non! J'espère que ce n'est pas un problème général, qu'il y a des écrans gelés. Moi, ça fonctionne, donc j'espère que ça fonctionne pour tout le monde. Peut-être juste essayer de sortir, si jamais ça gêne, des fois juste de sortir du live
rentrer encore. Des fois, ça règle le problème. Donc, OK, JP, ça marche. Bon, parfait. Donc, c'est peut-être juste un problème, des fois, de connexion, là. Ça va. Parfait. Donc là, on a la moitié de la danse de fées. On va leur faire du début une dernière fois. Puis après ça, j'enchaîne avec la troisième section. Donc, du début, 7, 8, cha-cha-cha, step, touch, cha-cha-cha, step, touch. Rock devant, cha-cha demi-tour, rock devant, cha-cha vers l'arrière. Donc là, on a terminé avec le cha-cha vers l'arrière. Donc, le poids est sur la jambe gauche et la jambe gauche, elle est évidemment derrière la jambe droite. Mais derrière la jambe droite, pas croisée derrière la jambe droite, mais derrière par rapport à la jambe droite. On va faire ensuite, donc, un back jambe droite. Donc, on va tout simplement reculer notre jambe droite et on va faire un touch, donc, du pied gauche à côté du pied droit. Et ensuite, même chose, mais l'inverse avec jambe gauche et touch du pied droit. Donc, on va faire un back jambe gauche et touch du pied droit. Donc, ça, c'est nos quatre premiers comptes. Donc, si on fait juste les quatre premiers comptes, là, je sais que vous êtes malheureusement dos à moi. Je peux peut-être le faire sur le mur de midi, là, juste ce bout-là, parce qu'on va revirer de bord de toute façon. Donc, on avait fini le poids sur la jambe gauche. 7, 8, back, touch, back, touch. Donc, ça, c'est les quatre premiers comptes. Ensuite, on fait un rock back avec notre pied droit. Donc, rock derrière. Et finalement, on fait un step pivot demi-tour. Donc, on avance notre pied droit pour faire un pivot demi-tour vers notre gauche. Je l'ai fait sur le bon mur, donc sur le mur de 6 heures. On avait fini le poids sur la jambe gauche derrière avec notre shuffle back. Donc, 7, 8, back, touch, back, touch, rock. Back step, demi-tour. On fait ça avec les comptes. Donc, 7, 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Est-ce que ça va pour la troisième section? Ça fonctionne très bien, c'est revenu super. Donc, on essaye ça du début. On essaye d'enchaîner, donc, les trois premières séries de 8. Il va en rester juste une. Et après ça, évidemment, je vais montrer les deux petits tags. Donc, du début, 5, 6, 7, 8. Cha-cha-cha, step, touch. Cha-cha-cha, step, touch. Rock devant, cha-cha demi-tour. Rock devant, cha-cha vers l'arrière. Back, touch, back, touch. Rock, back, step, demi-tour. Avec les comptes. Et après ça, ben, je vais montrer la dernière section, s'il n'y a pas de questions. Donc, 5, 6, 7, 8. 1 et 2, 3, 4, 5 et 6, 7, 8. 1, 2, 3 et 4, 5, 6, 7 et 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. On est revenu sur notre mur de midi. Pas de questions. Parfait. Donc, on est revenu sur notre mur de midi et le poids, il est sur la jambe gauche parce qu'on vient de faire un step demi-tour. Donc là, on va faire deux fois des shuffles quart de tour. Donc, évidemment, au bout de la ligne, on va se retrouver face à notre mur de 6 heures. On se souvient, c'est une danse de mur. Donc, on va faire un shuffle quart de tour vers la gauche, mais avec notre jambe droite, donc ça va faire cha-cha-cha. Vous devriez faire face au mur de 9 heures, donc le mur évidemment qui était à votre gauche au départ. Et après ça, ben, on va continuer finalement en quelque sorte notre demi-cercle pour faire un autre cha-cha quart de tour vers la gauche. Mais là, évidemment notre cha-cha, ça va être gauche-droite-gauche. Donc on commence avec la jambe gauche, donc cha-cha-cha. Et là, vous faites face au mur de 6 heures. Donc, si on fait juste les quatre premiers comptes, donc ce sont nos deux cha-cha finalement quart de tour. 7, 8, cha-cha-cha, cha-cha-cha.
Les quatre derniers comptes, rocking chair. Donc, rock devant, rock derrière, et la danse est finie. Donc, jambe droite devant, dépose, jambe droite derrière, dépose. C'est nos quatre derniers comptes. On fait ça avec les comptes, la dernière section. 7, 8, 1 et 2, 3 et 4, 5, 6, 7, 8. Un autre fois avec les termes, juste pour être sûr, la dernière section. 7, 8, cha-cha-cha, cha-cha-cha, rock devant, rock derrière. Et là ici, ben, on recommence avec notre cha-cha avant, step touch, cha-cha avant, step touch, etc. Est-ce que ça va pour, disons, la base de la danse? Excellent, super. Non, c'est des questions, je n'ai pas. Il reste juste les tags. Le premier tag, je vais le montrer. Ben, on va faire la danse une fois complète. Hein? Puis après, je montrerai le tag. Donc, on fait ça du début. 7, 8. Cha-cha-cha. Step, touch. Cha-cha-cha. Step, touch. Rock devant, shuffle demi-tour. Rock devant, cha-cha vers l'arrière. Back, touch, back, touch. Rock, back, step demi-tour. Cha-cha-cha, cha-cha-cha. Rock devant, rock derrière. Une autre fois du début avec les comptes. 5, 6, 7, 8. 1 et 2, 3, 4, 5 et 6, 7, 8. 1, 2, 3 et 4, 5, 6, 7 et 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1 et 2, 3 et 4, 5, 6, 7, 8. Et vous devriez être face au mur de 6 heures. Si tout va bien, donc je montre les tags. Ça va bien, super. Les tags. Évidemment, on les fait toujours sur le mur de 6 heures, mais je vais quand même les montrer évidemment sur le mur de midi, juste pour que vous puissiez bien voir c'est quoi les pas. Mais dans la danse, évidemment, sachez que vous allez toujours les faire face à 6 heures. Donc, le tag numéro 1, il est de 6 comptes. Et on le fait à la fin des premiers et troisièmes murs. Fait qu'autrement dit, les deux premières fois que vous allez finir face au mur de 6 heures, vous allez faire ce tag-là. Donc, le tag en question... Donc, on se souvient, on finit la danse avec un rocking chair. Donc, on va faire rock devant, rock derrière. Donc, le poids est revenu sur notre jambe gauche. Donc, on va faire à droite un triple step. Donc, ça veut dire qu'on va faire, il va être sur place, mais à droite. Donc, on va faire droite, gauche, droite sur 1 et 2. Donc, on fait un triple step à droite. Donc, juste les... deux premiers comptes, donc ça va être jambe droite à droite et jambe gauche, jambe droite sur place. Donc ça va être 1 et 2. 3, 4, bien on va faire un side, donc jambe gauche à gauche et un touch du pied droit. Touch. Et finalement, un rock back pour notre 5-6, donc dernière dépose. Donc ça c'est notre tag numéro 1 qu'on fait deux fois. De 6 comptes. Donc, si on fait juste le tag, 7, 8, triple step, step, touch, rock, back. On fait ça encore une fois, juste le tag. 7, 8, droite, gauche, touch, rock, back. Avec les comptes, notre tag, 7, 8, 1 et 2, 3, 4, 5, 6. Et là, ben, on recommence avec notre cha-cha-cha, step, touch, cha-cha-cha, step, touch. Donc ça, c'est notre tag numéro 1. On l'a à la fin des premiers et troisièmes murs. Les deux fois, on va être face au mur de 6 heures. Donc ce que je vous suggère, on va faire... on va pratiquer la danse en fait en la partant sur le mur de 6 heures. Fait que ça va pratiquer de 1 notre deuxième mur. Puis en même temps, ben, rendu au tag, on va être face au mur de midi. Donc vous allez me voir si jamais il y a quelque chose. Alors on va faire d'une pierre deux coups. On va pratiquer l'enchaînement de la danse avec le tag. Et on va pratiquer en même temps notre deuxième mur qui est notre mur de 6 heures.
Fait qu'on va commencer ça, la danse au complet. Donc, on fait le premier mur, donc ça veut dire qu'on fait le tag. Parce que le tag, il est au premier mur, il est aussi au troisième, mais on l'a au premier. Donc, on essaie ça sur le mur de 6 heures, la danse au complet plus le tag. 5, 6, 7, 8. Cha-cha-cha, step, touch. Cha-cha-cha, step, touch. Rock devant, shuffle demi-tour. Rock devant, shuffle vers l'arrière. Back, touch. Back, touch. Rock, back, step, demi-tour. Cha-cha-cha, cha-cha-cha. Rock devant, rock derrière. Droite, gauche, droite. Gauche, touch. Rock, back. On fait ça avec les comptes? Tout va bien? Oui? Des fois, j'ai l'impression que je parle vite. Fait que je danse vite. Donc, j'espère que ça va au niveau de la vitesse. D'après moi, on est pas mal sur la vitesse de la musique avec la vitesse naturelle de ma voix. Donc, on y va avec les comptes sur notre mur de 6 heures. Là, évidemment, je le fais à l'envers hein, parce que le tag, on ne le fait pas sur le mur de midi. C'est juste pour qu'on puisse pratiquer le tag sur le mur de midi là, pour les fins, évidemment, du cours. Mais dans la danse, le tag ne sera jamais sur le mur de midi. Donc, avec les comptes, 7, 8, 1 et 2, 3, 4, 5 et 6, 7, 8, 1, 2, 3 et 4, 5, 6, 7 et 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1 et 2, 3 et 4, 5, 6, 7, 8. 1 et 2, 3, 4, 5, 6. Et on repart. 1 et 2, 3, 4, etc. Ça, c'est notre premier. Ah, merci, Joanne, c'est gentil. Donc, malgré la vitesse que je parle, ça semble bien se passer. Donc là, on a vu le tag numéro 1 qu'on fait à la fin des premiers et troisièmes murs, donc les deux premières fois qu'on est face au mur de 6 heures. La troisième fois qu'on est face au mur de 6 heures, c'est là qu'on fait notre tag numéro 2. Et là, attention, tag extrêmement difficile, deux comptes et c'est deux marches-marches. Donc évidemment, c'était sarcastique. Donc le tag numéro 2, c'est tout simplement deux marches. Donc on finit notre rocking chair. Puis on va faire marche, jambe droite, marche, jambe gauche. Et on recommence. Cha, 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 step, touch. Donc ça, c'est à la fin du cinquième mur. Donc c'est la troisième fois qu'on finit face à notre mur de 6 heures. Fait qu'en gros, les tags, première fois qu'on finit face au mur de 6 heures, donc notre premier mur, tag numéro 1. Deuxième fois, tag numéro 1. Troisième fois, tag numéro 2. Après, il n'y a plus de tag. C'est tout simplement ça. On va faire, donc, on va faire notre cinquième mur. Donc, on va partir sur notre mur de midi. On va faire notre tag, donc le marche-marche. Puis, on va recommencer juste pour être sûr que tout s'enchaîne bien. Puis après, je pense qu'on va pas mal être prêt pour la musique. Donc, on essaie ça du début. Et on fait notre tag du cinquième mur. Donc, notre tag numéro 2, notre marche-marche. Puis, on repart ça. Donc, 5, 6, 7, 8. Cha-cha-cha, step, touch. Cha-cha-cha, step, touch. Rock devant, cha-cha demi-tour. Rock devant, cha-cha vers l'arrière. Back, touch, back, touch. Rock, back, demi-tour. Cha-cha-cha, cha-cha-cha. Rock devant, rock derrière. Marche, marche. Cha-cha-cha, step, touch. Cha-cha-cha, step, touch. Rock devant, cha-cha demi-tour. Rock devant, cha-cha vers l'arrière. Back. Touch, back, touch, rock, back, step, demi-tour. Cha, 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 rock devant, rock derrière. Et on recommencerait la danse. Est-ce que tout va bien? Je vais prendre une petite gorgée d'eau. On est prêt pour la musique? Sans, j'ai l'impression d'avoir fait ça vite. Donc, j'espère. Que tout va bien. Évidemment, s'il y a quelque chose, faites-moi signe, soyez pas gênés. Ça ne me dérange pas pantoute de reprendre des bouts. Mais si on est prêt pour la musique, bien évidemment, je ne vous niaiserai pas plus longtemps que ça. On va le faire sur la musique. OK. OK, parfait. On le refait encore, pas de problème. Donc, j'ai les deux demandes. Donc, on va le refaire une fois.
On fait-tu un tag? On va faire, dans le fond, on va faire nos deux premiers murs. Tiens. Donc, notre premier mur, on se souvient, on finit sur notre mur de 6 heures, donc on fait notre tag numéro 1, notre triple step, side, touch, rock, back, puis on repart. Fait qu'on va faire notre mur numéro 1, puis notre mur numéro 2. Ça va pratiquer nos deux murs, ça va pratiquer notre tag numéro 1. Donc, on fait ça, nos deux premiers murs, juste pour oublier à la fin du premier mur notre tag, évidemment, qu'on a à la fin des murs 1 et 3. Donc, du début, 5, 6, 7, 8. Cha-cha-cha, step, touch, cha-cha-cha, step, touch. Rock devant, cha-cha demi-tour. Rock devant, cha-cha vers l'arrière. Back, touch, back, touch. Rock, back, step, demi-tour. Cha-cha-cha, cha-cha-cha. Rock devant, rock derrière. Triple step, side, touch, rock. Back, cha-cha-cha, step, touch, cha-cha-cha, step, touch. Rock devant, cha-cha demi-tour. Rock devant, cha-cha vers l'arrière. Back, touch, rock. Back, step, demi-tour. Cha-cha-cha, cha-cha-cha, rock devant, rock derrière. Cha-cha-cha, step, touch, cha-cha-cha, step, touch. Est-ce que ça va mieux? Pas trop vite, ok, super. Donc, on va essayer ça sur la musique. Évidemment, si vous voyez, c'est une catastrophe. Me le direz, puis au pire, on fera des bouts après, puis on le refera. Mais je pense que quand même, ça va assez bien. Donc, on va le faire sur la musique. Évidemment, si après, vous me dites que ça n'a pas bien été sur la musique, on pourra pratiquer un petit peu, évidemment. Il n'y a pas de problème. Donc, on essaye ça. Évidemment, je vais compter le départ. Je vais essayer de penser, évidemment, à vous avertir au tag, parce que des fois, je l'ai fait, puis je ne pense pas nécessairement à l'exprimer. Alors, je vais vous dire, évidemment, autant possible, les tags, puis je vais essayer pour votre bien-être à tous de ne pas chanter non plus. Donc, on part ça sur la musique. Oups! Ça va aller mieux si je vais mettre sur le speaker parce que sur mon téléphone, ça n'entendait pas grand chose. D'ailleurs, là j'ai un doute pour faire exprès, mais de mémoire, il n'y a pas de finale de prévu, en tout cas, sur la feuille de pas. Mais évidemment, c'est sûr que moi, je vous suggérais minimalement de continuer jusqu'à ce que vous soyez sur le mur de midi, au moins. Parce que c'est pas une fin, là. La musique, elle n'arrête pas sec, là. Tu sais, c'est, comment on dit ça, gradué, en tout cas. Donc, je vous dirais minimalement, au moins finir sur le mur de midi, mais il n'y a pas de finale de prévu. Donc là, je pense que ça va être le petit bip de connexion. My drunk ass home. I drank all the whiskey and my money's all gone.
arrêter avant qu'il cale son taxi. Ah, Joanne! Ouais, Joanne, tu peux chanter, il n'y a pas de problème. Moi, si vous allez m'entendre, vous n'aurez peut-être pas ça. Est-ce que ça a bien été pour notre première tentative sur la musique? Je vois un pouce pour Carole. Super, ça a bien été. Génial. À 8h30, on a fait ça vite. Ah, ouais. Bravo, Bongo. Merci. Super. Merci d'avoir été là. Kim, ça semble avoir bien été. Donc, j'ai l'impression que j'aurais pas besoin de faire un prise 2, à moins que vous vouliez un prise 2 sur la musique. Ça ne me dérange pas. Mais super, dans ce cas-là, si ça a bien été. Bon, ben, je ne vous retarderai pas plus longtemps. À titre informatif, je vais quand même mettre dans l'événement le lien vers la vidéo Vimeo de mon père et Joanne, donc pour vous pratiquer. Puis, moi, sur ma chaîne YouTube, j'ai déjà une vidéo de révision de faits que je vais publier là, après cours. Fait qu'au point, vous pourrez aller le revoir si vous ne voulez pas vous retaper toutes les vidéos du cours. Hein. Vous pourrez aller voir là, les vidéos juste de la révision là, au besoin. Alors, crime super, ça semble avoir bien été pour tout le monde. Bien, merci d'avoir été là, puis au plaisir de danser avec vous à distance demain. Donc, on va toutes la savoir, cette danse-là, demain soir. Alors, merci sincèrement, je trouve ça vraiment le fun. À défaut de pouvoir danser avec vous en vrai, bien au moins, on sent un petit peu qu'on a des gens à distance qui dansent avec nous. Alors, j'ai bien hâte de tous de danser avec vous tous, en fait, à distance demain. Bonne fin de soirée, puis s'il y a quelque chose, n'hésitez pas à m'écrire en privé, là, je suis quand même relativement sociable. Bye, bonne fin de soirée! À demain!